j'ai crié à ton toi, grand amour, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, quand j'ai crié en à reconnaissance, toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer, te consacrer ma vie entière. Et ce qui est, et ce qui est en reconnaissance, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Alléluia. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce d'être là. People of God, I would like to bless the Lord tonight for His grace. Comme, we are present. Comme Paul pouvait le dire, mon but est de le connaître. As Paul could say, my goal is to know Him. Il ne désire rien d'autre que connaître Christ. Paul said, he desire nothing except to know Alléluia. God. Amen. Moi aussi, mon but est de le connaître. I too, my goal is to know Him. Et la première connaissance que j'ai pour Christ, first knowledge I have on n'est pas dit de Christ, of Christ, c'est sa parole, alléluia. It is his word, amen. C'est sa parole. His word. Quand tu aimes la parole de Dieu, when you like the word of God, c'est que tu aimes Jésus. It means that you love Jesus. Alléluia. Amen. Quand tu aimes le Saint-Esprit, when you love the Holy c'est Spirit, que tu aimes le Christ. Est-ce que you put your hand together. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 11. Take your Bible and Romans 11, 34 to 36. Romans 11. Romains chapitre 11. Romans 11. 36, 34 à 36. 34 to 36. Et puis Romains 12, 1. On lit ensemble. We'll read together. Qui a connu la pensée du Seigneur? Who have known the thought of the Lord? Ou qui a été son conseiller? Who have been his counselor? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Who gave him the first so that he may receive c'est de lui. Return. It's of him. Par lui. Through him. Et pour lui. And for him. Que sont toutes choses. That everything à lui la gloire dans les siècles. Him the glory dans les siècles. Des siècles. Amen. The century to the century. Verset 12. Verse 12. Chapitre 12. Chapter 12. Verset 1. Verse 1. Je vous adore donc, frère. I beseech you, brethren. Par les compassions de à offrir vos corps. To offer comme your un body sacrifice vivant, saint et agréable, holy and acceptable to God, ce qui sera de votre part, what will be of you, un culte raisonnable, the reasonable service. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer can la parole? Can a child of God put his hand together? Alléluia. Amen. Nous allons voir un thème très important aujourd'hui. We're going to see the very important title tonight. C'est very important topic. Le qu'est-ce que tu as pour honorer ton Dieu? Which is what do you have at the start of God to honor your God? Alléluia. Amen. Il y a tellement de confusion. Because there are so many confusions. Seigneur, je n'ai rien. Some people say, Lord, I don't sinon, have anything. Moi même là, je voulais faire ton œuvre. Mais je n'ai rien. I'm ready to do your work, but I have nothing. Tu ne peux pas blaguer Dieu. You cannot deceive God. Et rien ne surprend Dieu également. And nothing surprises God also. Quand quelqu'un dit qu'il va faire une surprise à Dieu, when somebody say we surprise God, c'est qu'il tend vers la folie. It means that that person is alléluia. Going near. Regarde ce qu'il dit ici. The foolishness. Qui a connu la pensée du Seigneur? Who have known the thought qui a été son conseiller? Who have been his qui lui a donné le premier?
who have given him the first, à recevoir en retour. So that he may return in return. Alléluia. May receive in return. C'est-à-dire que la surprise que tu veux faire à Dieu, il te pose la question. He asks you the question. Tu as reçu ça de qui? Of whom did you receive it? Par exemple, tu dis non, je vais offrir une voiture à l'homme de Dieu, faire une surprise à Dieu. For example, you say I want to offer. Donc, il te pose la question. Car to my man of God to do la voiture que tu as reçu, tu as reçu ça de qui? So the Lord said by His word, the car you receive. Les gens from sont. Whom have you received it? Aujourd'hui, people je comprends pourquoi quand Christ connaître. When he says God is to know him. Paul. Paul says. C'est maintenant que je comprends. Now that I understand le sens fondamental. The mean sense. De ce qu'il a dit. Of what he said. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit. Look at what he says. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Who have given him the first so that he may receive in return? Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Les gens font des offrandes et ils font des offrandes pour que Dieu les bénisse. People give Dieu ne te bénit pas parce God que tu lui as fait les offrandes. God does not bless Dieu you te bénit parce que lui est juste. He blesses you because he's righteous. Amen. Alléluia. Maintenant, tes offrandes que tu fais, c'est une semence pour toi-même. Now, your offering you do are the alléluia. Seeds for you. Je dis alléluia. For you. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui. It's for him and of him that I have everything. Jean chapitre 1er. John. Il dit quoi? He says. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. The word was with God. Et toute chose a été créée par. And everything has been created by et Dieu est la parole. And God écoutez is the word. Bien ce soir. Listen to me. Et il dit. And he says. Romains 12, hein? That book of Romans 12. Je vous exhorte donc, frère. I exhort c'est une conclusion qui tire. C'est conclusion une conclusion. Il dit. Toi, tu n'as ce que tu as, ce que tu es. By saying that what you have, who you are, ça dépend de lui. Depends ça vient de lui. God. It comes from him, God. C'est par lui. It is through et him pour lui que sont toutes choses. C'est-à-dire quoi? C'est par lui et pour lui. La chose même qui te. So the thing he gives you, it is for him first. Vous savez? You know. Je prie le Seigneur pour que nous soyons humbles. I pray a lot so that the l'église soit fondamentalement humble. Maybe humble, really humble. Parce que j'ai vu que le problème de l'église en général. Could I have noticed that the real problem of the church in general. Le premier ennemi. The first enemy. Du chrétien, ce n'est pas le diable. Of the Christian is not the devil. Écoutez-moi très bien, vous serez choqués. Listen carefully. You will ce n'est pas shocked. Le diable. It's not the devil. Mais c'est ta réussite. But your success. C'est ta réussite qui est ton premier ennemi. Your success can be your first enemy. Parce que quand tu n'avais rien, tu étais humble. Because as a child of God, when you don't have anything, you was humble. Mais regarde, quand depuis Dieu a commencé à t'élever. But look at when God starts tu as commencé à être orgueilleux. You, promoting you. Donc ton premier ennemi, c'est pas le diable. Pride. C'est ta réussite. So, your first enemy is not the devil, but your success. Quand tu n'avais rien, tu parlais avec retenue. Anything, you were speaking with humility. Mais regarde. But look at comment tu parles maintenant. How you speak now. Et c'est là qu'il te pose la question. That's why he asks you the question. Qu'est-ce que tu as? What do que you have that you did not receive? Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Qu'est-ce que tu as? What do you have that you did not receive? Si tu l'as reçu, if you receive pourquoi tu te comportes comme tu ne l'as pas reçu? Why do you behave like parce you que did not receive it from God? Tout est pour lui. Because everything is for tout him. Est par lui et pour lui. And for him and through him. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Vous savez, you know, Dieu va bénir l'église, mais il ne va pas bénir tout le monde. God will bless his church, but he will not bless everybody. Alléluia. Amen. Non. Le Seigneur dit que the Lord says that. Il dit j'avais réservé l'enfer. He said, I booked the hell.
Pour certains, c'est démon. For Satan and his demons. Mais dit à cause de votre comportement, vous irez là-bas. But because of the human being behavior, sinon, went in the chaque head. Jour, if not each day, les enfants de Dieu, Dieu programme leur bénédiction. God mais pourquoi blessing. Ces enfants ne reçoivent pas? But why à cause de leur ignorance, because of their ignorance, et à cause de leur désobéissance. Voici of les deux raisons. Disobedience also. These are the two quand reasons. Tu entends ce verset, when you quand hear tu écoutes ce verset, verse, tu dis que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? What do you have that you did not receive? Et si tu l'as reçu, if you receive pourquoi it, tu te comportes comme si tu ne l'as pas reçu? Why do you behave like Dieu est en train de parler de l'orgueil. God is talking about a pride. The problem de, du chrétien, of the Christian, ce n'est pas le diable. It's not the devil. C'est sa réussite. But his success. Regardez, avant quand tu étais chez ta tante, before when you were living at your aunt's bien, house, t'entends. Or maybe bien, with your uncle, avant où tu dépendais de quelqu'un, before les gens pensaient que tu étais humble, tu es gentil. Somebody, mais rien depuis que Dieu t'a donné une petite surface financière. Kind person. Toi-même, tu t'étonnes toi-même. But since God gave you money to take care of or la Bible dit que celui qui s'élève sera baissé. L'orgueil. Donc, le premier ennemi du chrétien. So the first enemy of the contrairement à ce que les gens vous disent que c'est le diable, c'est pas le diable. You, devil, c'est ta réussite. C'est-à-dire que it means that ce que Dieu te donne, si tu ne l'as pas bien géré, ça sera ton ennemi. Manage it well, it will become your enemy. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Écoutez-moi bien. Listen carefully. Arrêtez de combattre. And stop fighting. Un combat depuis que tu as 15 ans d'aller à l'église. Tous les jours, tu es dans une défaite. Arrête. Et regardez ce qu'il dit. Je vous adore donc, frère. C'est une conclusion qui tire. Si tout ce que tu as, c'est moi qui te donne. Donc, il dit, je te donne conseil. Frère, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que Dieu t'a dit de lui donner l'argent? Mais pourquoi? Dieu dit ça. Et puis il dit, la première chose que tu dois prendre pour honorer, c'est ton corps. Et il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc on va lire le verset qui confirme que ce que tu es là, quand il t'a donné. We'll read at the next, donc, on va lire dans Genèse chapitre 1, verset 27. Everything you have is God will give. Genèse. Genesis. Chapitre 1. Genesis 1. Verset 27. Verse 27. Genesis 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. God created il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. At the image of God, he created the male donc, and le, female. Donc, si tu vis parce que Dieu t'a créé. So if you are alive because God created you, you belong to him. Donc quand quelqu'un dit so when somebody que says, Seigneur, je n'ai rien pour t'adorer, the Lord, tu te trompes toi. La première chose qu'il t'a donné, the first thing c'est God la vie. Gave you, it's your life. C'est ton corps. It's your body. Et je te dis que tu n'as rien payé pour venir. And I tell you that he didn't pay anything. C'est lui to receive it. Qui a pris un décret et il a eu un homme et puis une femme and et puis tu es venu au monde. C'est lui qui a pris le décret. Donc il ne te demande même pas l'argent. Does not even ask you money. Il dit ton corps là. He said your body. Il faut propre l'adorer. Take it to worship him. Est-ce que tu le fais? But you do it. Il n'y a pas un pauvre qui n'a pas de corps. There is no poor man who can say he does not have a body. Donc quand tu dis so que Seigneur, say, moi-même je vais t'adorer, je vais te louer, mais c'est parce que je n'ai rien, mais ton corps là, c'est pour qui? You, I want to worship you because I ton corps c'est pour qui? Tes pieds c'est pour qui? Your body, your feet belong to who? Les gens sont dans ce mensonge là, c'est-à-dire ils peuvent blaguer Dieu. Dieu people m'a envoyé pour nous parler, pour nous parler à nous tous. Deceive themselves. Non, moi-même là, comme je n'arrive plus à faire mes offrandes, je vais pas aller à l'église. Est-ce qu'il t'a demandé de faire offrandes? So I cannot do offering those. I don't want to go. Est-ce qu'il t'a demandé l'argent? Did God ask you money? Did he ask you money? Il dit tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. You have to offer your body. Tu dois prendre pour l'adorer. Il t'a pas dit de venir. Si, attends, c'est lui qui te donne. Il dit qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc lui sait que tu n'as pas l'argent. Mais il y a une chose, il y a une chose qui t'a donné dès ta naissance. C'est ton corps, c'est but ta vie. Tu veux prendre pour l'adorer.
Ça me dit, mais papa, je n'ai pas l'argent pour venir à l'église, il faut marcher. Quand tu es en train de marcher, là, Dieu va envoyer quelqu'un pour te déposer. You can walk. If you walk, God can bring somebody to help you to come. Vous savez, je vous dis que je bénis Dieu. I bless God. Parce que moi, mon but, tous les jours, je pose des questions à Dieu. My goal, I repeat it every day. Je pose, non, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Non, moi, mais quand les gens font offrande et puis je n'ai pas offrande, ça me fait honte. Tu es un plaisantin. Some brother when they ask them why you don't come to the church anymore. Il a demandé l'argent. My other brother give offering. I don't have money to give my offering, so I'm ashamed. Il a demandé l'argent. You are the joker. Did God ask you money? Tu penses que tu peux blaguer Dieu? Do you think that you can deceive God? Quand tu as parlé comme ça là, il y a des gens, il y a des jours Dieu t'a donné l'argent, t'as bouffé. When you spoke that way, but that's donc c'est pas fait d'argent. God gave you money and you did not take. Vous comprenez ce qu'il dit? You hate dit, it. La première chose dont Dieu a besoin, God needs, hein, que tu prennes pour l'adorer, pour lui donner là, c'est ton corps. For you to take to worship. Donc quand je vois les gens, so ils ne viennent pas à l'église, ils font offrir tout ça, vous êtes des plaisantins. They don't come to the church. Gardez votre argent. And they transfer the offering. Et puis il y a autre chose. Moi je ne bénis pas. You can keep your money. I don't need it. Prophète Samuel ne bénit pas. And I, Professor Samuel, that's celui qui t'a envoyé sur la terre ici là, il dit le premier élément que tu vas prendre pour l'adorer sur ton corps. You brought you on the earth here. The first element débat. You must take to worship is your body. Pourquoi il t'a fait à son image? Mais il pourrait te faire simple. He made you at his image. Un vieux baboulé, il va t'enlever, il va te déraciner et puis boire banquier, c'est fini. On ne parle plus de toi. Peut-être que si on doit parler un peu de toi, c'est parce qu'il y a Boyfair, il y a champion là qui. Ça c'est comment vous dites? C'est comme les gens. Tu as produit les champions là. The monkey, Boyfair. Il y a des palmiers même, ils produisent Boyfair même, il y a pas de gens qui voient là-bas. But he created you as a man to worship him. Vous comprenez? Do you? Vous êtes calme, non? Understand. Regardez. Look at. Il y a qui pense que, il pense que Dieu lui a besoin de l'argent. Il dit qu'est-ce que tu as que? C'est lui qui t'a donné. Some Christians will think that God needs the money. He say, what do you have? Tu comprends ce qu'il dit? It's him who gave you. Donc la première chose que tu dois prendre pour l'adorer, c'est ton corps. That you have to take to worship him is your body. Vous courez comme des buffles, on a tiré sur eux dans tous les sens. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez. Est-ce qu'il lui t'a demandé ça? You run. Ça veut dire une chose. Like moi, bulls, je suis à l'aise. Which have been pulled on. Parce que vous dites que vous êtes chrétien, non? Vous qui me regardez, parce que tout cela, vous êtes chrétien, mais c'est vrai que vous n'avez rien. See, I'm comfortable to preach this word vous. Because some say they are Christians, but la manière vous voyez Christ, vous avez marché là, c'est pas comme ça. It means that's the way you see Christ, as the way you walk before Him, is not that way. Comment comme us to do? No. Prends ton corps comme un sacrifice vivant. T'as tout le temps. Take tu prends ta bouche body, là, c'est belé seulement. As a living sacrifice. Quand tu dis merci Jésus, même ferme ses oreilles. You use your mouth to gossip every time, and even when you say Jesus, He knows that you're lying. Il y a quelque chose. Person. There is something. Que tu ne peux pas nier. You cannot deny. C'est toi-même. It is yourself. Il peut blaguer Dieu. Something they can deceive God. Regardez, moi je connais des gens, ils ont prié. Oh Seigneur, moi-même je vais avoir une vie de prière. Mais à cause des enfants, comme on a dans deux chambres salon, et quand mon mari dort, je ne veux pas le réveiller. Quand ma femme aussi dort, j'aime beaucoup prier comme ça. Je ne veux pas la réveiller. Les enfants également. Dieu vous donne deux chambres, trois chambres. Vous avez occupé deux. Même, il y a chambre même des visiteurs. L'autre chambre est vide. Mais tu dors, some tu pries. Some people that pray that way, Lord, I cannot pray, I cannot even take my time for you because I'm the single tu room dors, with the children. We don't have time to pray that. And now God give you the big vous house savez, where we have many rooms, but you don't even have time ce que je veux vous dire, to worship Him, as you said. Par ce message-là. What I want to tell you by this message. Vous n'aurez plus de raison. Vous dites que moi, je ne peux pas adorer Dieu. You can no more have a reason to say, I can't worship God because it does not Alleluia. Ask you anything. Amen. Qui coule derrière l'argent. On dirait tous les raisins qui sont comme ça. They run for money. Si tu coules derrière l'argent, Dieu ne va pas te donner l'argent. If you run every day for money, God will not give you money. No. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Alléluia. Amen. Maintenant, Psaume 151 à 6. Psaume 150, from verse 1 to 6.
Psaume 150. Psalm 150. Louez Dieu praise dans son God sanctuaire. In his sanctuary. Louez-le praise dans l'étendue. In this tent où éclate sa puissance. Where he shown his power. Louez-le pour ses hauts faits. Praise him for his high doors. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Now praise him according to louez-le au son de sa, au son de la trompette. Praise him to the sound louez-le of the avec trumpet la lutte et praise la him with the harp, with louez-le avec les tambourins with the et avec music les danses. Instrument with the dance. Louez-le avec des instruments à cordes. Praise him with the et, cord et le chalumeau. To the louez-le avec les cymbales sonores. Praise louez-le him with avec the cymbals. Les cymbales retentissante with the drum que tout ce qui respire loue Dieu. Loue Dieu. Praise God. So praise him. Tu respires? Are you breathing? Je vais vous dire une chose. I want to tell you one thing. Seigneur, moi, il n'y a rien pour t'adorer. No, te no, I don't have anything to worship you. Tu respires? What some people say, but you can et puis, breathe. Moi, je vous dis quelque chose. And I want to tell you one thing. Je dis quelque chose. Regardez. Look at ce que Dieu dit ici. What God says here. Si tu fais pas là, if you don't do it, God will not do anything with you. Parce que personne ne commande Dieu. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? What do you have that you did not receive from God? C'est ça non? Il dit de le louer non? He has to praise him, as you said. Il dit de le louer non? He said to praise him. Si il te dit de le louer, if he asks you, c'est qu'il t'a donné quelque chose. Parce que il dit qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? On va pourquoi il te demande de le louer chaque matin, chaque heure, l'étendue? Non, non, et non. Moi, on veut louer Dieu dans un point agréable. Il dit sur toute l'étendue. Why do you ask him to praise him any time, any place? And some say we want to praise God in a closed place. Ouais, non. He said anywhere you can. Il va te dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Et puis il dit de prendre pour le louer. Now, by that message, we tell you what he gave you, and he asks you to take it to. Alléluia. Praise him. Amen. Il va dire que tout ce qui respire, c'est ça? Mais all that c'est breathed, ça, amen. Genèse 2:7. Genesis 2:7. Genesis 2, verse 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Lord God made the man. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Breath of life, and he became the living being. Il fait quoi? Il souffla dans ses narines. He breathed in. Et puis il devient quoi? Nostril. Et puis il dit tout ce qui respire loue Dieu là. Breath of mais life. Quand, qu'est-ce qu'il t'a donné et puis il te dit de prendre pour le louer là. So give you and ask you to take to praise him. Tu n'as pas l'argent non? You don't mais tu as tout de vie. But you have the breath of life. Tu dois le louer. So you must take it t'as to ton corps. Him. Tu n'as pas l'argent. Tu dois le prendre pour le louer. You tu dois le lever le matin. Tu respires non? Tu dois le louer. But donc tu as vu que tu as vu que tout ce que tu disais que c'est parce que tu n'as pas l'argent, c'est parce que toi-même là tu es pauvre tout ça là. From this morning you woke up, so you have your body, you can breathe, so take your life to worship him. You cannot say now that il dit, I don't have que money, tu as so I cannot preach. Il a soufflé dans tes narines. Il y a des narines là même là. There are some nostrils. Tellement que c'est tellement costaud, Dieu même souffle trois fois avant qu'il n'a qu'à se réveiller. This nostril et c'est so lui, big that il se fout de Dieu. A blow in his three times to give him the breath. Les narines là, les belles là, ça c'est haut gabarit. Amen. Mais il loue Dieu bien, mon fils là. Amen. Vous comprenez? Vous voyez, non? Vous savez que je vais vous dire quelque chose. Regardez comment vous pouvez, dans tous les sens. Moi, Seigneur, vous parlez, c'est Dieu, vous pouvez manipuler quoi? Vous voulez m'amailler Dieu. Saying you want to trick with God. Seigneur, je veux, moi-même là, si tu m'as donné l'argent là, tu vas voir ce qui est fait pour toi à l'église. Lord, il t'a réveillé là, tu l'as loué. If you gave me money, you will see what I will il t'a donné le souffle de vie là, tu l'as loué? By the Lord woke you tu l'as loué? This morning, gave you the c'est Dieu, tu peux m'amailler. Did you praise him? Et puis regardez, je vous dis une chose, hein. Quand vous priez, de vos fausses prières, ne mettez plus mon nom dedans. Hein. When you do your Seigneur, prayer, je veux soutenir ton serviteur. Don't put my hey, faut plus. Don't say, Lord, if you give me money, I will support dimanche. Your servant, I will support the ministry. No, don't do this kind of prayer anymore. Don't do it. Ne mettez plus mon nom dans vos prières. Don't put my name in your c'est prayers. C'est qui veut m'amailler Dieu. Those who want to cheat God. Seigneur, moi-même là, ton serviteur, quand il parle du groupe là, moi-même là, hé hey, Seigneur, si tu fais, je vais aller payer cash. Some prayed tu t'es levé le matin là, tu étais narine là, et c'est à louer Dieu. Your servant has talked about the generator, we have to pay that. If you give me money, I will pay the generator. Regarde les oiseaux, comment ils se préparent
pour adorer Dieu. Vous savez, nous avons fait le village. Regardez, matin, quand les oiseaux là sont en village. But when the birds are chirping in the morning, avant même, so on disait nice. Non, quand les chiens commencent à aboyer vers les 4h, 3h du matin, on dit c'est sorcellerie. Oh, ils adorent Dieu. Before, when the dog barking from very early in the morning, we say it's a witchcraft. Toi, quand tu te lèves le matin net, le souffle de Dieu que Dieu t'a donné là. Quand tu te lèves net, c'est pour l'étudier. By you, the breath of life God has given you. When you just wake up in the morning, you soon start him instead of. Quand il sera fatigué de Jésus, il va venir te juger. What will be about to take you? Well, come to take you. Do you see? Regardez, enlevez mon nom dans vos prières. Bizarre là. Remove my name. Vous prenez mon nom pour aller marmailler Dieu. Remove my name in your strange prayers. Don't put my name inside if you are about to cheat God in your prayers. Well, do you see? Et donc, tu te lèves le matin. So, il t'a donné le souffle de vie, non? You woke up this morning. Il dit que tout ce qu'il respire, il fait quoi? He gave you the breath of life. He said everything that. Il t'a demandé l'argent? Everything that breathes. Est-ce qu'il t'a demandé l'argent? Praise God. Did he talk about the money? No. Did regardez ton corps, là, regardez. No. Il dit que donne ton corps, regarde ton corps, regarde comment tu l'utilises. Il y a habit même tu portes. So, give your regarde body. Même Dieu merci que Dieu nous a, Dieu nous a libéré nous tous la pensée. I thank God because God has released us all. He has vraiment, les commentaires, vraiment. By the message les of our thoughts, the past vous comprenez? Topic, and the people of God is delivering. Il y a des gens même là, dès que Dieu les révèle net, ils sont déjà fâchés parce qu'ils ont demandé des choses à Dieu. Dieu n'a pas essayé de regarder. Some people when they wake up in the morning just they are mais angry le, because they have something qui t'a donné cadeau là. Receive. Il dit il faut m'adorer. But what he gave Dieu. You free, he said, take it to worship. Que ton corps soit comme un sacrifice vivant. And let your body be like a living sacrifice. But you take that body to. Et tu dis que Dieu n'a pas te donné l'argent. Il n'est pas bête. And you want God to give you money? No, God is not stupid. Donc. So. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en premier? Et puis il dit que non, il faut prendre ton corps pour l'honorer comme un sacrifice vivant. Non. C'est parce qu'il t'a donné son corps. Il t'a fait à ton image. What did God give you as a first? Deuxième chose, il a soumis dans tes narines. Take it to worship him, your body. Pour que tu aies le souffle de vie. Thing, he has breathed in your nostrils. Vous comprenez ce que j'ai dit? Gave you the breath of life. So with this breath. Avant de te réveiller, là, il souffle dedans. And when you sleep before getting up, Dieu même c'est impossible les yeux. Sinon, pour toi aussi seulement, il sera essoufflé. Parce qu'il y a trop de narines. Because he's God. If not, if he has to breathe in everybody in Australia, no one is to be tired. Oui. But he is God, so. Dieu m'a réveillé la première fois 2h du matin. Il dit faut leur dire ça. God woke me up. Au lieu de ils sont en train de me marmailler, me blaguer pour dire non Seigneur, si tu me bénis tout cela. Dieu dit. Regardez le corps qui t'a donné. Tu m'as envoyé quoi? Tu fumes cigarette, tu prends pour mentir. But you take your body to smoke cigarettes. Tu sais, take it to ce que tu fais avec ton corps. Only you know what you do as a bad with your body. Non, et tu penses que Dieu ne voit pas. You think that God cannot see it? Et tu veux quand tu donnes l'argent. You want him to give là, la même tu n'as pas de transport. Là où tu es là, regarde comment tu te trouves. But at this time, mais quand tu donnes l'argent, tu auras transport là. Money for transport, c'est. But look at how you behave. But then when you give him money for transport, then you, look at how you will behave. Vraiment. Et les églises bandites là. Bon, faut venir, mon homme de Dieu, il va t'impacter avec l'onction financière. Pourtant, toi, tu marches pour évangéliser. And some churches, moi, c'est brothers say, come in our church, our men of God will impact you with the financial blessing. Why il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Walk. Dieu t'a fait à son image. Come to the church. Sous le débit, il t'a donné, non? Voilà, donc. Donc tu n'as pas de raison. They say, what do you ça, have that you not receive? Give you the body, the breath of life. Calme, hein? So, pense que c'est la fin de Dieu là. C'est de parler. Don't think that the matter of God is just to speak. No, it's not that. Seigneur, mori est fini. Il va faire quoi ton riz? It's not about le corps même qui t'a donné, regardez, tu te réveilles net là même, là, tu commences à l'encaisser. My bag of rice is finished. No, what can the Lord do with your bag of rice? No. Il y a dit, il y a plein d'églises là. Il y a plein d'églises là. Ce n'est pas de Dieu.
C'est-à-dire qu'ils prennent la parole de Dieu pour mamailler les gens. Which are not fondamentalement, tu vas dans une église où les gens viennent et prient beaucoup, c'est des rebelles. If you go in the et church, regarde la vie de ces gens-là. C'est eux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu et fasting, c'est eux qui veulent que Dieu les donne. À commencer par les pasteurs. Toutes les églises qui gênent, c'est des rebelles. All the churches where people fast, c'est des rebelles. They are disobeying to the word of God. Alléluia. Amen. Proverbe 3. Proverbs 3. Proverbs 3. Rebelle. Proverbs 3. 9-10. Verse 9-10. 9-10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honor the et Lord avec with les premiers your de ton revenu. And with the first fruit of your revenue. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. And your barn will be full of abundance. Et tes cuves regorgeront de mou. And now your cow will Alléluia. Full of donc, Dieu avec quoi? So what shall avec you quoi? Honor the Lord with? Hein? With what? Il a dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu, c'est ça? What do you have that you don't receive? Genèse 28-30. Genesis 15:28-30. Seigneur, tu es beau. Genèse 1. Genesis 15:28-30. Dieu les bénit. God bless them. Et Dieu leur dit. And God said to them. Non, non. 27:30. Dieu créa l'homme et la. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Multiply and fill the earth. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit. God voici, saying, je vous donne toute herbe, au temps de la semence, at the seed time, et qui est à la surface de toute terre, and that is at the et toute arbre ayant en lui le fruit d'arbre, et portant de la semence, fruit, and ce sera votre nourriture. It will be your food. Verset 30. Verse 30. Et à tout animal de la terre, every animal of the à tout earth, oiseau du ciel, every bird et à tout ce qui meurt sur la terre, on the earth, ayant en soi, un souffle de vie. Having in him a breath of je life, donne toute herbe, I give you verte, all pour nourriture. Green breath of the et cela fut ainsi. Let it be that way. Dieu dit Dieu dit quoi? God de l'honorer, c'est bien, non? To honor mais il t'a donné. Good, Dieu créa l'homme et la femme à son image, non? God et puis les a bénis, non? Il leur a donné image. Quoi? What did God banane, que tu t'as bonne, banane que tu t'as vendue, fille de guerre, là, qui t'a donné? The bundle of banana that you sell and the money donné. He gave you, the rice yam la kita donné. Vous you sell, vous pas money, pas the yam you sell and you have money, who gave you? Is it not God? Et toi, tu détestes yam là. Ton pasteur, tu ne lui donnes pas aussi. Il n'y a pas les pasteurs qui sont à l'intérieur du pays. Et aussi, il veut aussi faire les bien fait, c'est bien fait pour eux. And ouais. You don't give to your pastor too or you don't share it. Moi, il y a une chose. Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? So what do you have that si tu l'as reçu, pourquoi tu ne te comportes pas pour ne pas reçu? If you receive, première chose, il t'a fait à son image. That you not receive? First thing, c'est ça, non? Il t'a donné son souffle de vie. Dead, life, and he gave c'est ça, non? Quand il a fini net là, spirit. Il a créé tout ce que vous voyez aujourd'hui et puis on s'en vend et puis on gagne l'argent là. When he finished et puis il a fait you, ça, il dit, il nous a béni, c'est pas ça? Hein? We have created all the hein? Things that we can sell today hein? To have money to hein? Do business with. Il y a une puissante révélation. I give it a powerful revelation. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme. Non? Et puis les male hein? And the female hein? And he blessed them. C'est ça, non? Isn't that? Les a bénis, non? He blessed them. Et puis and then, quand Adam a péché, when Adam has sinned, hein? Le Saint-Esprit les a quittés, c'est pas ça? Donc ils ont eu la malédiction, c'est pas ça? The Holy Spirit departed from them and they have been cursed. Maintenant il se trouve que le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit est revenu. C'est ça, non? Et puis il est en toi. And is in you. Donc on retourne où ça maintenant? So à Genèse. Where now in Genesis? Tu comprends? Do you understand? On retourne à Genèse, non? We go back to Genesis. Parce que l'Esprit Saint qui les a bénis. Because it's c'est pas ça? Parce qu'il a fait son image. Because he made them c'est ça, non? Image. C'est pour ça qu'il les a bénis. Il a dit, bon, poisson, tu commandes poisson,
faut aller commander poisson, les adoukourou, les zébriers, tout ça. Hey, tu vois un peu. Hey, tu vois un peu. Les animaux aussi, c'est les baoulés, les bétés, tout ça. Hey, tu vois un peu. Le risaka, tout ça, tu vois ça. Il nous a béni, non? Maintenant, Adam a péché. C'est ça, non? Le Saint-Esprit est parti. Donc, la bénédiction a été suspendue. So the blessing has been stopped. Maintenant, c'est tout le coup, le Saint-Esprit est venu, il habitait en toi. Non, on retourne ça dans Genèse. Mais pourquoi tu jeûnes, tu peux pas être béni? So we return the book of Genesis, but why do you fast and pray to be blessed? Well, why the Lord has already given you all these things. Pourquoi la malédiction est venue? La malédiction, c'est l'absence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pas ça? Why? Parce que Dieu n'est plus dans ta vie, c'est pas ça? Maintenant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc, ce que Dieu avait dit au début, là, ça revient. So as the part of days like we came back again with the Holy Spirit. So c'est vrai qu'il dit que nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Hein? Come back. Well, your blessing the Lord has given you before comes again. J'ai dit quelque chose. I want to tell you something. Pourquoi les gens arrivent à vous manipuler? Why can people manipulate you? Parce que because Bible ne fait rien à ça. You don't read the Bible. You don't even meditate. You know? Vous aimez les prophéties. You vous tombez ici. Prophecy. Vous tombez par là. Tout ça, les gens vous mentent, and vous donnez l'argent. Alive, you they cheat you because you've involved and focused on prophecies and like that. Vous voyez? Do you see? Comment un chrétien il jeûne? How can a Christian vous fast to be blessed? La Bible déclare que le Saint-Esprit est quoi? Est le gage de notre héritage, c'est pas ça? Il est la garantie. Il est en toi. Of our blessing. Hein? So it is in you. Quand tu as une garantie, quand on te donne une garantie de 1 milliard, ou bien 200 milliards. Quand tu donnes cette garantie-là, une grande banque te donne cette garantie-là. Partout, tu t'en vas, tu fais les affaires-là. Tu déposes la garantie et puis on te livre. C'est ça, non? Like, mais nous, on est des hommes d'affaires. Of 20 billions, hein? Everywhere you go with this bank guarantee, you can do business with. You just give to show the guarantee and you start doing your business, buying and selling things with. Ça me fait mal quand les gens quittent ici pour aller dans les églises pour aller souffrir. To see some people leaving this church and going over churches to suffer. I'm so hurt to see that. On va lire encore un autre verset. We're going to read again. Aujourd'hui, là, c'est la fin du verset. Today's message is a matter of verses. Agé 2. Agai 2. 8. Agai 2, verse 8. Agé 2, 8. Agai 2, 8. L'or est à moi. God belongs to me. Pardon. L'argent est à moi. Silver et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. To me, says the Lord of hosts. Ouais, non. Do you see? Aujourd'hui, je suis calme. Vous ne voyez pas que je suis calme. I'm too slow to tonight. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. C'est pas ça? Honore the Lord with your goods. C'est pas ça? Isn't that? Et il te montre dans Genèse. Que c'est lui qui a créé toutes choses. Il t'a donné. C'est pas ça. Il dit de le prendre pour l'honorer. Pourquoi tu ne prends pas pour l'honorer? Maintenant, on va retourner dans Proverbe 3. J'ai fait exprès pour revenir. I did by purpose to come back, so we come back in Proverbe 3. In the book of Proverbs 3. Proverbs 3. 9, 10. 9 to 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Donc, quelle est la condition pour que Dieu te bénisse en abondance? C'est que ce qu'il t'a donné là, tu prends pour l'honorer. Si tu prends ton corps pour l'honorer, il va te bénir. Si tu prends, tu le loues. Par exemple, tes narines, il a mis le truc dedans. Tu prends pour l'adorer, pour le louer, il te bénit. C'est ça, non? Si aussi tu viens à l'église et que Dieu t'a béni, que tu fais les offrandes, il te bénit. Bon, dites-moi pourquoi il y a les pauvres à l'église. Take your money to give him as offering, he will also bless you. So, tell me why there are poor people. Dites-moi pourquoi il y a les pauvres à l'église. Pourquoi il y a les indigents à l'église? Pourquoi? The needy in the church. Why? Il y a trois choses. Quand tu fais, Dieu te bénit. C'est vrai que tu n'as pas l'argent, mais Dieu t'a fait à son image. Tu viens à l'église, tu vis bien la vie chrétienne. Tu marches dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il te bénit. C'est ça, non? Tu n'as pas l'argent, tu viens, adoration, louange, tu lèves les mains à la maison partout.
Tu loues Dieu, il te bénit. You don't have money, but maintenant, during the praise, il t'a donné l'argent, tu lui donnes, il te bénit. You lift up your hand, you praise him, praise God, God bless you. And now he has given you money, you give him offering, he increase your revenue also. So why are you not? Non, vraiment, moi, je ne crois pas quoi. Poor people in the church then. Vous savez, vous n'allez jamais avoir raison sur Dieu. You know, nobody can even have a reason over well, God. Nobody. Le pauvre, il ne respire pas. Il dit, si tu l'adores, tu le loues, il te bénit. Brave il te donne l'argent. He said, if you worship him well, he will bless you. Mais regardez le pauvre, c'est lui qui le matin, quand il se lève, il commence à insulter Dieu. Look at the poor people, when he just wake up in the morning, start insulting God. Non, on est venu accompagner les autres. Saying we came to accompany God. Est-ce que le pasteur même prie pour moi? By the church where I'm going, does the pastor pray for me? Est-ce que le pasteur prie pour moi? Est-ce que papa même là, est-ce qu'il me voit? Papa à l'église là, c'est ceux qui me donnent l'argent, il prie pour eux. But the man of God only pray for those who give money. C'est vrai, je ne prie pas pour toi. Comme tu le dis. Mais si à la maison tu vis selon la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de ma prière pour être béni. It's true that as a man of God, I can't pray for you. But if you live where the Christian life, you don't need my prayer to be blessed. Ouais. God can bless you directly. Vous voyez? You see? Et ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un. Les satanistes là, ils font offrande plus que même les chrétiens. What you should know, satanic. Les satanistes que tu vois là, rouge-croix, franc-maçons, tous ces satanistes, ces fétiches, ces sorciers là, ils savent que l'offrande là, ça parle. Et quand on venait à l'église là, si vous avez fait une petite offrande, tout ça net, hey, c'est le pasteur là qui bouffe votre argent. Et toi aussi, tellement que tu es bête. Non, c'est vrai. Si lui roule dans une voiture, nous on est à pied. And as you are so stupid, donc, tu veux que le contraire se produise? That pastor drive a car while we are still walking. C'est-à-dire que moi que Dieu a mandaté là, à la salle de ma matra, il marche. But our current president, is he walking? No. Regardez comment on pense. Mais tu, quand tu penses comme ça là, c'est-à-dire qu'on a créé humilier l'homme de Dieu. When you think that way, il faut prendre une décision aujourd'hui pour dire que tu vas humilier la salle. Make a decision. Il faut faire ça. Humble the president of the state. Make it. Tu vas plus te réveiller. You will no more wake up in your life. Parce que il incarne la Côte d'Ivoire. Même si lui dit il veut rien faire, mais quelqu'un d'autre va te faire du mal. If he does not want to punish you, somebody parce qu'il incarne la République. Because he incarnates the Republic. Donc nous. So, nous les vrais hommes de Dieu, parce qu'il y a faux, il y a beaucoup de faux. Nous les vrais hommes de Dieu. Il dit que non, moi il n'y a qu'à marcher et toi tu vas rouler une voiture pour mettre la boue et le. Quelqu'un, ils sont en train de marcher, tu es dans ta voiture et les flaques d'eau là, tu passes dedans et ça verse sur moi. Oh, parce que pardon, comment pardon? Moi. Now throw that water on comment me penser comme and ça? Beseech me when I will see that. How can you think that way? Comment pouvez penser comme ça? How can you quand, think quand that Dieu vous donne net, la première des choses, c'est vous-même honorer vous-même. When God gives you comment something, the first thing, instead of honoring God, you think about yourself first. Comment? Dites-moi. Celui qui t'a envoyé sur la terre ici là, et voici, il dit que voici mes principes. It tells you there's a toi, tu dis que non, tu ne veux pas. And you say, no, et maintenant, tu n'as pas. Et tu es en train de donner prier pour avoir. Regardez comment tu es bête. Give you and you pray and fast to get it. Look at how you stupid. Voyez-vous? Do you see? Trois choses fondamentales. Three basic things. Pour que Dieu te lève. For God to lift you up. Et regardez, la première chose qu'il te demande là, c'est que ton corps là, ton être là, doit le glorifier. Your being should glorify him. Mais regardez comment vous habillez les femmes là. But look at how you dress yourself. Regardez comment vous habillez. Look at how you dress Dieu m'a honte. God is sometimes c'est la mode. Of your en tout cas, mon mari aime ça. C'est ton mari qui va te juger. Lui, le Jésus va te juger. Quand tu vas partir, is it your husband that will judge you in the heaven? Non, mais en tout cas, ma femme aime ça. Say, my wife regardez like comment this, ils sont gonflés. Way of dressing myself. Gonflé. Look at how you are soiled. Quand il dit, je parle de l'église. Regardez aujourd'hui, les églises où tout le monde court pour partir là-bas. Là. Regardez, quand tu vois femme de pasteur même, tu vas les voir habillées même là. Non, c'est pas possible. The church where everybody are running to go like a fashion. Première chose que Dieu demande pour que nous son enfant glorifié là, c'est notre être. Comment on se comporte, comment on s'habille. The first thing God asks us to be blessed is our body. How we dress. Comment vous le matin, vous partez faire couture chez Satan. C'est Satan, vous faites vos habits. Parce que lui, il est sexy.
Certains les sexy. Wake up in the morning and you go to. Parce que Job donne une puissante de révélation. Quand Adam a péché et que Eve a été séduite, le Seigneur a demandé à Adam, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous sommes nus. Il dit, qui t'a dit que nous sommes nus? Parce que Satan, lui, il veut voir lui, il veut voir votre nudité, il veut voir votre partie intime, tout ça. C'est sa nature. That is his nature to see you naked. C'est sa nature. That c'est pour ça que quand tu es là comme ça, là, si tu as vu que tes seins ne sont pas au dehors, ou bien on ne voit pas ton slip, tracé, ça ne te plaît pas. If you are drunk, parce que ton maître, c'est ce qu'il veut. Body is not disclosed, we don't see your pants, then you cannot be comfortable. Mais Jésus lui dit quoi? Soyez vertueusement habillé. But Jesus says what? Be virtuously dressed. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Mais regardez l'église. L'église dit évangélique. Regardez. L'église catholique, maintenant, ils ont mis que non, habillé comme ça, ils ne rentrent pas là-bas. Mais je voudrais dire aux prêtres, aux papes, que le changement, ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur, mais c'est de l'intérieur à l'extérieur. Dressing code that we should not wear. Quelqu'un entend le son de ma voix? Church. I will say to the Pope, but now the change is from the vous comprenez? Regardez. War, but not from oui, ils n'ont pas de temps pour venir à l'église. Some say they don't even have time to come. Vous êtes gonflé, hein? Mais je parle d'église. Église, vous êtes gonflé. I'm talking about the world church. Dis qu'est-ce que tu as tout d'abord aujourd'hui là, parce que Dieu t'a donné une petite surface financière, tu n'as plus le temps pour venir te prendre ton corps là pour adorer Dieu. Today, because God gave you et quand et c'est quand ils sont dans les problèmes qu'ils prient beaucoup. Dieu dit tu es hypocrite. And when they are in the trouble that they pray a lot. Vous comprenez ce que j'ai dit? La Bible dit que moi et ma maison, nous servons l'Éternel, nous voulons le Seigneur. Regardez, Dieu vous dit quelque chose, hein? Dieu vous dit quelque chose. Affaire de Dieu là, c'est sérieux. He's so serious, the matter of. C'est pas prendre Bible et puis bavarder. It's not to carry the Bible. C'est très sérieux. Regardez, de la manière l'Église se fout de Jésus là. Regardez comment l'Église est. The way the church does not even c'est quel bruit ça? Jesus. Look at how the church is. Hein? Vous voyez? Vous comprenez ce qu'il dit? Do you understand? Donc la première chose que tu apprends pour adorer Dieu, tu n'as pas l'argent, Dieu est d'accord. C'est ton corps. You can't have money, God is grieved. Tu dois louer Dieu. Tu n'as pas l'argent, Dieu dit, y a pas de problème. J'étais réveillé. God says this. Quand vous couchez le matin, regardez, il y a des gens, ils font, ils ont insomnie. Guys, you're right that you don't have money, but he say he woke you up, so you. Ah, moi j'ai vieilli. Il faut que je me marie. Va te marier. Some people have insomnia. They say I grew age, so I won't marry. But just go to marry. Je t'apprends qu'il y a des gens qui sont mariés avant hier et aujourd'hui divorce. I'm just telling you that people married before yesterday, but they got divorced right now. Somebody's hearing the sound of my voice. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Il y a des gens même se lève le matin, il ne peut même pas dire au Seigneur, oh Seigneur, vraiment, il te dit merci parce que tu as permis que je me réveille. Ça. Quand il se lève net, Seigneur, bon, je confie mon chèque là, il faut voir ça pour moi. Wake up in comme, the morning, il est ton coursier. Il est ton coursier. Et c'est Lord, I give you my check, just take care of it. Like God is the messenger. Regardez les anglophones. Regardez comment ils adorent le Dieu. Look at the anglophones. Regardez les anglophones. How they worship God. Il y a des gens qui demandent, mais est-ce que votre pasteur est anglophone? Parce qu'il fait comme les anglophones. C'est pas une affaire d'anglophone, c'est une affaire de Saint-Esprit. Some people ask if our pastor is anglophone, it's a matter of the spirit. Voyez-vous? Do you see? Donc aujourd'hui là. So today, tu n'as plus de raison you don't have any pour dire que tu n'as rien to say that you don't have anything pour honorer ton Dieu. To honor your tu as un corps, tu as pied. You have a body, you have the leg. C'est pas ça. Amen. Il dit tout ce qui respire pour Dieu. Let everything tes narines là, tu ne respires pas. Breathe, praise him, so your tu dois adorer Dieu. Can breathe, so you il dit ce qui t'a dit. Et puis il te dit que non, quand j'ai fait Adam et Eve là, so when I made mon grand-père Adam Eve, là, j'ai donné du riz, manioc. I created the rice, l'argent, tout ça. C'est ça, non? Tonana, il t'a donné. Donc, tu dois prendre pour gold, silver, so you must take it to worship. Vous comprenez ce qu'il a dit? Vous comprenez? Mais là, tu n'as pas encore l'argent. But Dieu dit, il n'y a pas de problème. Yet. God said, there is no problem. Pas de problème. There is no problem. You mais don't have money yet. But you live. Vous comprenez ce qu'il a dit? Do you understand what I'm saying? Vous ne répondez pas? You don't understand and you don't reply? Tu me dis honorer Dieu. What parce que depuis là,
But you don't really know what it means to honor God. Honorer Dieu, c'est simple. To honor God is simple. Il dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Do to others what you want them to do for you. Vous parlez un gros français. So it's not ou bien gros verset. Speaking a long verse, no, a big verse, no. Mets-toi à la place de Dieu. Just put yourself in the place of God. He has given you. Tu ne prends même pas le temps de lui dire merci. You don't even take time to thank him. Tu commences à envoyer tes doléances. You start bringing again. C'est comme par exemple, request. Quelqu'un vit chez toi. Like somebody il t'a demandé l'argent. Tu lui as donné. He asked you money, you gave him. Et puis le matin, il se lève. Morning, il ne prend même pas la peine de te dire merci. Et puis il demande autre chose. He doesn't even take time to thank you and he asks you something else. Will you be glad about that or not? Honorer Dieu là. To honor God. Si tu étais à la place de Dieu. If you was at the place of God. Hein? Qu'est-ce que tu allais demander aux hommes pour toi? What will you ask to men tonight? Bueno. Do you see? Ça honore Dieu. C'est that tellement is, simple. That is to honor God. It's so simple. Voyez-vous? Do you see? Le problème. But the problem. Quand Dieu m'enseignait. When God was teaching me. Il me dit que les chrétiens, comme ils se lèvent, tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Tout le monde respire. Ils pensent que c'est un fait banal. The thing that is just the simple fact of getting. C'est-à-dire que même si tu veux ou tu veux pas, tu vas te réveiller. Means that you want or not, you can get up, you can wake up as you want. No, it's je voudrais te dire qu'il y a des gens qui sont partis à l'école, ils ont des diplômes plus que toi. Mais ils sont partis à la retraite sans travailler. Ils ont eu l'aide de la retraite, ils n'ont pas travaillé. That some people went to school, they are graduates, are more alléluia. Getting diploma than you, but je dis alléluia. Donc, retired without getting ton comportement doit honorer Dieu. On ne dit pas que tu as dit aux gens, non, allez-y à l'église, non. We're not saying that you will say to people, no, go to church. No, si j'ai fait quelque chose, est-ce que si c'était moi, on me faisait ça, est-ce que ça me plaît? Before doing something, we say if it is me. Donc si ça me plaît pas, moi aussi, je veux pas offenser Dieu avec ça, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Je veux pas l'attrister. So the Holy Spirit will is in me. I don't want to. Qu'est-ce qu'on constate? Grieve him. Une fois après que vous ayez honni Dieu. After shaming par votre comportement, by your behavior, vous rentrez maintenant pour dire Seigneur, je te demande pardon. Now you go back to say, mais ce que vous oubliez, c'est une semence que vous avez récoltée. What you forget is a seed you did. Et on nous a enseigné ici le dimanche que le mécanisme de la semence et de la récolte là, personne ne peut arrêter ça. The process of the seed and the c'est comme blockchain. Nobody can stop it. C'est comme les blockchains maintenant, les transactions. Like the blockchain. Blockchain. Quand tu as lancé, on ne peut plus l'attraper. When you just transferred something, you cannot stop this transfer anymore in the blockchain. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Can somebody put his hands together? Honore l'Éternel avec tes biens. Honor the Lord et avec les prémices de tout ton revenu. The first fruit of all your revenue. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Your barn will be full. Et tes cuves regorgeront de mou. Will be filled. Voilà. Bueno. Donc pour être béni sur la terre ici. So to be blessed on the earth here. Jésus pour te bénir là, c'est simple. To bless you, it's simple for him. Il t'a fait à son image. He made you as his image. C'est ça non? Isn't il that? Il te réveille matin. He wake you up in the morning. Et puis il te donne. And he gives you des biens. Goods. Tu dois prendre pour l'adorer. That's même passé au fond de ministère, c'était combien? C'était combien? Past Sunday, how much was the 271 000, moi j'ai donné 50 000. Donc c'est à dire que vous avez donné 221 000. Regardez, vous avez donné 221 000. Tout le monde a demandé. Et l'église s'est remplie comme ça, 221 000. Et ça c'est bon. Mais pourtant, quand vous partez dans vos églises là, quand vous étiez dans vos églises là, où on vous escroquait là, vous partez même, par exemple, vous donnez vos salaires. Par exemple, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher comme ça là, on appelle vous devez capter l'onction. Vous partez donner votre salaire, vous donnez chèque, tout ça là. Your mais moi, je vais jamais faire ça ici. Where you was, mais when the man of God is parce que pourquoi la Bible déclare que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce qu'après que les gens, après so ils font ça là, après ils ont problème. Big moi, on m'a rendu un témoignage dans une église qui ne dit pas son nom. Il y a une jeune femme qui faisait ça. Elle travaillait dans une banque.
Or, have they given a testimony? Client, c'est l'argent des clients laquelle elle voulait pour faire ça. That there was gestionnaire. A lady that was working the bank, après, but she came during après, the Sunday elle service. Elle a vu que l'affaire allait péter. Elle est partie au Canada. Every day, but it was her dans une église, je ne dis pas le nom de l'église. Et c'est le spectacle. But when people dans knew about that, she mais derrière les portes fermées, il vit toujours le péché. Canada. But say beyond the closed doors, moi, je veux marcher selon la parole de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tes ennemis contraints. Parce que si vous ne donnez pas là, Dieu ne va pas vous donner. Mais il dit, chacun doit donner de manière libre. Mais c'est libre là, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on vous mente. Qu'on vous dise, bon, si quelqu'un a donné aujourd'hui 100 000 francs, demain, il va avoir un avion dans sa chambre. You want the man of God to tell you that if you give 100,000 CFA, tomorrow morning you will see the plane in your room. Or le train d'atterrissage même, l'avion là même là, ça n'est plus là, ça rentre pas dans ta chambre. Et tu crois que l'avion là qui va être là-bas. The landing of that plane. Vous aimez le mensonge. Vous voulez qu'on vous mente. While you like the parce que vous avez encore une partie du diable en vous. But you still have some part of the devil. Il est totalité, il est en vous totalement. Life, vous voulez qu'on vous mente? Totally you want to be qu'est-ce que vous dites comme ça? En tout cas, il y a une servante de Dieu là. Elle dit qu'elle a fait un rêve. Alors dit, hear that the servant of God, says she has a que je serai béni même. That will be blessed. Et que il faut que je lui fasse une offrande. Comme ça, Dieu va décanter la situation. J'allais de Dieu là. Quand Dieu bénissait là, c'est quel j'allais de Dieu là. Dieu va bénir là-bas. Et c'est ton pasteur était là-bas. But what the Lord pourquoi was vous aimez les mensonges? Was your pastor over there? Why do you je like parle de l'église. Pourquoi vous aimez les mensonges? Why do you like vous ne voulez pas être béni naturellement you don't want to selon be Dieu. Blessed according to God. Hey, vous ne voulez pas. Why? You don't vous voulez qu'on vous manipule. You want to vous voulez qu'on vous mamaille. C'est ça. Tricked. Comment une grande église comme ça? How can a big une grande église comme ça? Offrande de ministère. Ministry offerings. Laurent, merci beaucoup. On m'a fait ta commission, donne 50 000 francs pour l'école des enfants. Merci. Ça, c'est quoi cela? What is that? Et vous voulez être béni? Ou bien, vous êtes convaincu que ce n'est pas Dieu qui m'utilise? Quittez l'église. Maybe if you're convinced that it's not God who uses me. So parce que quand les gens vous voient sur les réseaux sociaux, là, ils vous voient, vous êtes beaucoup ici, là. Et ils pensent que moi-même, là, l'argent, même pour la femme, même petit. But when people see the church full that way on social media, they think that's how hurt. Comment Dieu a vous béni? Offrez des ministères. C'est vous allez liker. C'est notre papa. Non, je ne suis pas votre papa. So that you like my message, you like the Sunday c'est service. C'est quoi ça? Saying I'm your dad. Hein? No, I can't be your dad. Même aujourd'hui là, offrant des remerciements. Moi j'ai 10 000. Quand offrant des remerciements, 21 000. C'est-à-dire que toute l'église, vous êtes là, vous allez donner 11 000. Now, c'est quoi ça là? Offering to thank God. Et puis vous voulez être béni? I gave 10,000, but the total is 21. Just mais regarde vos dépenses. Regardez vos dépenses. But look at your daily expense. C'est-à-dire que si c'est pour vous là, il n'y a pas de problème. I mean that if your own expense, there is no problem. C'est quoi ça là? What is that? C'est quoi ça? What is that? Vous voulez qu'on vous mente? You want the man of God to lie to you? Moi, je dis c'est simple. I say it is simple. C'est simple. I say it is simple. Parce que je sais que il y a des gens qui quittent ici là. Après, parce qu'ils ont leur pasteur qui font les cultes les soirs. I know that ils vont là-bas. Vous restez là-bas. They have the over pastor. They puisque tu pas, c'est que Dieu dit ça, tu vas pas faire. Donc Dieu n'a pas te béni. Reste là-bas. They follow what this pastor say to them. Et quand c'est comme ça là, c'est trop pressé. Parce que le pasteur lui envoie un message. Ah, tu es où? Et c'est là-bas il faut les offrandes. Ouais, parce que là-bas le pasteur manque. Si il fait offrande, il va se marier. Tu vas aller à la retraite quand c'est marié. And there's that church they give big offering because the pastor lie on them saying that he will marry. But is that where you will be retired without marriage? What is that? Je vous dis une chose. Hein? I tell you one thing. Moi, le plus gros péché que je puisse commettre. The biggest sin I can commit. C'est de venir vous mentir ici. It is to come and lie here to the people. Parce que Dieu dit quand je dirai aux méchants de se détourner sa nouvelle voie. Si tu dis pas. Si vous meurs dans ça là, moi je te demande son compte. To the wicked, to turn away
Personne ici ne peut me dire que moi je vous dis pas la vérité. I will ask you the account, but nobody here can tell me I don't preach him the truth. Les chrétiens qui n'aiment pas donner l'argent, ils sont tellement hypocrites. The Christian does not. Ah, il y a trop d'offrandes. Mais il y a trop d'offrandes. Mais et toutes les prières à Dieu, Dieu n'a qu'à les donner l'argent. Tu vois, moi, j'ai vraiment des offrandes. Quand il n'y a pas de l'église, là, c'est pas ici seulement, c'est toute l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Big request for God. When I talk about the church, it's not only here. Comment on est là comme ça? C'est-à-dire que offrande de soutien. Moi, je donne 10 000 et puis c'est 21 000. C'est-à-dire que tout le monde a donné, tout le monde. Offering to support a ministry can be as a total 21,000. Why I parce que vous pensez que 10,000? Non, le mercredi là c'est pas important. Because you think that offering is not important. Bon, c'est vrai. Bon, tu dis que le mercredi c'est pas important. Et dimanche? Well, I can say once this service is not important. But what about Sunday now? I want to tell you one thing. Je vous dis quelque chose. Something. Moi, prophète Samuel. Là. I, prophet Samuel. Il bénit pas, hein. I can't bless it. J'annonce la bénédiction. I just announce. Il dit que ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. He said they are nice the feet of those that announce the gospel. Moi, vous voyez là. I that you see. Il y a pas quelqu'un. There is not anybody. Qui fait offrande plus que moi. Who give offering. La première année que. The evidence chaque is dimanche that là. Each Sunday, mes offrandes là, si c'est rien, au moins c'est 100,000. My offerings are a few. Dieu me bénit. Around 100. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu puisse me donner. So the biggest blessing God can dans ma famille là. Depuis que l'année a commencé, il n'y a pas de maladie. Stand my family. Contrairement à vous pensez que ça fait d'argent. Il n'y a pas de maladie. No sickness, no disease. Mais regarde, toi tu fais pas offrande. Mais regarde les morts dans ta famille. Look regarde toi-même la maladie. Si on veut calculer là, c'est des millions. Mais moi, Dieu me fait la grâce. Je donne 100 000 francs chaque dimanche. Donc dans le mois, par exemple, c'est 400 000. Mais regardez, je ne connais pas ordonnance. It is 400,000, but I don't have any medical prescription to pay. My children are in good health. Ce temps-ci là, c'est la grippe qui est dans l'air. Ça m'a pris. Mais je me suis renseigné. Il y a des médicaments. J'ai payé ça 300. There is glow in the hair, so I just brief him. Parce que je prends l'autre là. Je ne veux pas dire pour dénigrer les gens, mais ça ne va pas. Donc j'ai appelé ma fille, Brigitte, j'ai dit, mais il n'y a pas. Il dit, papa, il a pris en même temps. Grippe là, il est parti. I took some. Mais regarde-toi. Jusqu'à tu as boîte à pharmacie, c'est toi. Et tu t'enorgueilles. C'est ma boîte à pharmacie. Comment quelqu'un peut héberger maladie chez lui? You are a pharmacist box at home. And he said, that's my pharmacist box. And you praise about that. How can a child of God praise the pharmacist box? Et puis c'est comme ça. C'est ma boîte à pharmacie. Et toi tu vois pas clair. You wear the glasses because you cannot see clear. J'ai bien mon fils. Vous voyez? You see. Et par moment quand les gens viennent faire les offrandes comme ça, même tous les jours ils font offrande. Bon toi et puis toi tous les jours ils font offrande, mais tous les jours toi aussi tu n'as rien. And when the brother give offering that way. Ils aiment ça. C'est-à-dire que il y a pas plus hypocrite qu'un chrétien. Tu n'aimes pas donner l'argent. C'est les hypocrites. God bless him, but you don't come. Vous comprenez? So you are still. J'ai vous dire une chose. Oh, nous sommes en train de tendre vers la nouvelle année. We are going il y a un bilan à faire de ta vie. There is a balance to do. Dieu même sait que depuis le début de l'année, Dieu est passé par moi pour nous enseigner nous tous. Et le thème qu'il a donné avant ça, the title he gave before chacun n'a qu'à contrôler sa bouche. Each one has to preserve. Parce que ta bouche est ton directeur commercial. Because your mouth can be your commercial director. Qu'est-ce qu'un directeur commercial? Il lui vend le produit. Car les produits, là, c'est genre, il tâche jusqu'à. C'est quoi ça? Il parle du commercial. Il fait la promotion du produit. C'est quoi ça? C'est ça le directeur commercial, non? C'est ça, non? Mais regardez, toi, à partir d'aujourd'hui, sache que ta bouche est directeur commercial. Si ta bouche parle bien, tu seras bien. Si ta bouche parle mauvais, tu seras mauvais. Un directeur commercial qui ne sait pas vendre les produits, là, pour lui, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, si tu es dans une pauvreté chronique répétée, dans les problèmes que toi-même tu ne peux pas expliquer. Parce que les docteurs même disent qu'il faut analyser et voir rien. Amen. C'est à cause de ton directeur commercial. Tu ne peux pas dire que tu es ta directrice commerciale. Et ta directrice commerciale, c'est ta bouche. Murphy is a commercial director. If you not heard anything, know today by your balance. Tu me dis, mais papa, mais c'est vrai. Mais qui l'a embauché? C'est toi-même qui l'a embauché.
The role of the commercial director is to send the thing and make it good. So make your balance. Amen. On va prier. We will pray. C'est une repentance totale. Tu as dit à Dieu, je pensais que j'avais besoin d'argent pour t'adorer. Oh, c'est faux. Pour t'honorer, c'était faux. Je pensais que j'avais besoin d'argent pour t'honorer. Alors que quand il me lève le matin, la première des choses qu'il doit faire, c'est de t'honorer. Papa, je pensais que j'avais besoin de beaucoup d'argent. Mais alors que le peu que tu me donnes là-même, je ne fais rien à toi. Répentons-nous, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Vous qui me regardez, répentons-nous. Soyons humbles. The Lord need for you to worship him. No, répétons-nous. Need your body. So repent about what you fought. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Nobody can say he's not concerned about this repentance. So repent, all the people of God. C'est une repentance générale. On va se retrouver ici dimanche. The general repentance will find us back here Sunday. Nous sommes exaucés au nom de... Amen. Ah, vous ne répondez pas. Amen. Ah. Mon ami, c'est toi-même qui as embauché ton directeur commercial. Je ne fais que te donner l'information. Ministère, on va prier. Ministry offering, will you stand up with your offering? We're gonna pray. Prends ton offrande. Take your offerings. Prions le Seigneur Père, nous voulons te dire merci. Father, we want to thank you. Tu nous as bénis ce soir. You bless us tonight. Il n'y a pas plus grande bénédiction. There's no more bigger blessing que de nous éclairer. That to light us. En guise de reconnaissance. You see, to be voici grateful. Nos offrandes. That's our nous te disons merci parce que tu l'as agréé. Because you have au nom de Jésus-Christ. Amen.